Bonjour, je suis François Delagoutte, directeur de la Cité de la Voix et des Rencontres musicales de Vézelay. Cette 21e édition des Rencontres musicales du 19 au 22 août prochain sera une grande invitation au voyage guidée par la et les voix. Les Rencontres musicales 2021, ce sont de grands concerts dans les églises d'Aquin, d'Avallon, de Vaudluny et bien sûr dans la basilique de Vézelay qu'on a hâte de retrouver. Ces grands concerts vous emmèneront en Espagne avec Les Éléments où l'ensemble Aedes est accompagné de Rocío Márquez, l'Italie avec le chœur et orchestre Ghislieri accompagné de Sandrine Pio, en Angleterre avec l'ensemble Les Musiciens de Saint-Julien et Team Med. Et puis en France, évidemment, avec l'ensemble Marguerite Louise ou encore les Métaboles. Nous aurons également un double hommage à Josquin des Prés à l'occasion des 500 ans de sa disparition. Depuis plus de 20 ans, Les Rencontres, c'est un festival convivial où on aime partager la musique par des petits déjeuners, par des apéro-concerts, par les concerts de 18h qui nous emmènent dans une grande diversité de répertoires. Quelques surprises aussi vous attendent, du Qigong au lever ou encore des ateliers participatifs qui vous permettront de prolonger la rencontre avec les artistes. Pour la deuxième année, nous organisons une Académie internationale de direction de chœur dirigée par Mathieu Romano qui sera accompagnée par Grete Pedersen, chef norvégienne. Cette académie permettra à 6 stagiaires de bénéficier de l'ensemble Aedes pour pouvoir perfectionner leur pratique. Cette année, les réservations se sont adaptées à l'évolution des conditions sanitaires. La billetterie fermera donc du 5 au 11 juillet et réouvrira pour tout le public à partir du 12 juillet. La première, c'est revivre des émotions ensemble en partageant la musique. La deuxième, c'est l'excellence de notre programmation et à la fois la convivialité qui règne pendant le festival. Et la troisième, c'est bien sûr Vézelay. Quoi d'autre ?